soit celui qui vient au nom du Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mardi de la semaine sainte. L'épreuve de la fidélité. Les événements se précipitent. Avec la trahison de l'un des douze, la passion est commencée, fils et filles du bon Dieu. Jésus est déjà blessé dans son cœur et son arrestation n'est plus qu'une question d'heure. Redoublant de ferveur en communion plus intensement aux souffrances du Fils de Dieu. Isaïe, le chapitre 49, les 6 premiers versets. Le serviteur bien-aimé de Dieu. Initialement adressé au peuple d'Israël, l'élu de Dieu, ce deuxième chant du serviteur, ne prend pourtant sa pleine signification que lorsqu'on l'applique au Christ. N'est-ce pas lui le préféré du Seigneur, celui dont la parole est plus affilée qu'aucun glaive à deux tranchants? Hébreux 4, 12, Apocalypse 1, 16, 19, 15. Celui enfin qui est la lumière du monde, qui vient éclairer nos ténèbres. Jean le chapitre 8, verset 12, fils et fille du bon Dieu. Le texte nous dit ceci: écoutez-moi, île lointaine. Peuple éloigné, soyez attentifs. Fils et filles du bon Dieu, ces appels à l'universalisme, ces appels, c'est pour chacun de nous. Soyons attentifs, fils et filles du bon Dieu. Oui, Dieu s'adresse en chacun de nous, au monde entier. Écoutez-moi, il est lointain. Écoutez-moi, soyez attentifs. Fils et filles du bon Dieu, être attentif, c'est suivre le guide qui est le Seigneur, Jésus-Christ, dans notre vie. J'étais encore dans le sein de ma mère, dans le sein maternel, quand le Seigneur m'a appelé, nous dit le prophète Isaïe, fils et fille du bon Dieu. Gratuité totale de l'appel et de l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu qui appelle. Aucun mérite de la part de ce serviteur. Tu n'as eu aucun mérite de ce que tu es devenu aujourd'hui, mais glorifie le Seigneur. C'est un don reçu sans qu'il y ait soit pour rien, fils et fille du bon Dieu. Avant d'être capable de répondre, il a été aimé. Dieu aime le premier. En ceci consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous aime le premier. Jean 4, 7. Expérience humaine sur laquelle il faut s'arrêter un instant, fils et fille du bon Dieu. Pensons à l'amour de ma mère, de mon père. Être fils ou fille, c'est précisément être sous le coup d'un amour avant même de pouvoir y répondre. L'amour paternel et maternel procède et suscite le nôtre, fils et fille du bon Dieu. Les parents qui nous ont aimés, la mère qui t'a aimé, qui t'a porté 9 mois dans son ventre. 9 mois de difficultés de ceci ou cela. Mais après, tu es devenu grand quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus la mère. Oh, la mère sort en vampire parce que tu pries dans telle ou telle église, telle ou telle pasteur t'a dit c'est ta mère. Non, fils et fille du bon Dieu. Ou bien parce que tu as épousé telle femme qui dit que non, j'aime pas ta mère et tu renies ta mère aujourd'hui. Non, fils et fille du bon Dieu. C'est un mauvais chemin que nous sommes en train de prendre. Revenons à l'essentiel, celle-là qui t'a donné la vie, celle-là qui a pensé, qui a souffert pour toi. Fils et filles du bon Dieu, pense à elle. Aujourd'hui, pensons à nos mères, pensons à nos mamans, fils et filles du bon Dieu. Oui, et c'est cela, être parfait, être instrument de Dieu, à la disposition de Dieu, toujours prêt à servir. Ô Seigneur, à l'exemple de Jésus, augmente ma disponibilité. Augmente en nous la disponibilité. Oui. Nous voyons dans cette scène la trahison, abandonné, renié. Jésus a eu de telles pensées qu'il était abandonné. Des pensées de découragement profond comme pour chacun de nous. L'impression qu'on ne fait rien, qu'on perd son temps à faire l'œuvre de Dieu, qu'on use ses forces en pure et perte. Ça habite chacun de nous, fils et filles du bon Dieu.
On se dit que non, à quoi bon parfois, ça t'habite, à quoi bon faire des méditations tous les jours, parce que prendre beaucoup de temps, se réveiller très tôt le matin alors que les autres dorment, on se dit, on perd le temps. Mais non, après il y a toujours cette parole qui résonne au plus profond de notre cœur pour dire, continue à faire ma volonté, continue à annoncer la parole de Dieu pour le bien de l'humanité, pour que ma parole puisse progresser. Merci Seigneur. Oui. Seuls les abandonnés peuvent deviner jusqu'où a été la déréliction de Jésus. Ceux qui n'ont personne, ceux qui sont découragés, peuvent se réfugier sur le Seigneur. C'est lui qui montrera le chemin. Fils et filles du bon Dieu, le texte d'aujourd'hui invite chacun de nous à nous accrocher à Jésus-Christ, à être connecté du Seigneur, être connecté avec lui, j'allais dire, être avec le Seigneur, c'est lui qui comblera notre espérance, qui comblera notre vie, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 13, versets 21 à 33, puis 36 à 38. Jésus trahi et renié. Jésus n'est pas dupe du double jeu des traîtres. C'est lui-même, en quelque sorte, qui donne à Judas le signal pour qu'il exécute son noir dessein auquel la nuit est propice. La trahison étant chose acquise, Jésus peut déjà considérer sa passion et sa glorification comme accomplies. Le voilà seul sur une route où nul n'est capable maintenant de le suivre. Pas plus Pierre que les autres apôtres, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'apôtre, après la méditation hier, qui se jouait, ce qui se situait historiquement à Béthanie, et le lundi soir, nous sortons directement au jeudi soir à Jérusalem au cours du dernier repas. Oui, fils et filles du bon Dieu, Jésus dit, l'un de vous me livrera. Les disciples regardaient entre eux, les uns les autres, ne sachant pas de qui il parlait. Oui, fils et filles du bon Dieu, Jésus prend l'initiative d'annoncer la trahison. Il est seul, personne n'y comprend rien. L'un de vous me trahira. La trahison dans des foyers, la trahison dans des services, la trahison dans les familles, la trahison dans notre église, la trahison partout, fils et filles du bon Dieu. L'un de vous va me trahir. Oui. Nous voyons une fois de plus dans l'évangile les rôles complémentaires dans l'église. Pierre prend l'initiative primauté officielle. Mais c'est Jean qui fait la commission délicate. Chacun a une place particulière. Tous ne peuvent pas faire tout. Chacun de nous, chacun a une place dans l'église. Il ne faut pas jalouser le talent de l'autre. Tu as ta place dans l'église et Dieu t'a donné ta grâce extraordinaire pour son service. Oui, fils et filles du bon Dieu, celui à qui je donnerai la bouchée, il la donne à Judas et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Fils et filles du bon Dieu, oui, tout se passe au mot couvert, dans une sorte de pudeur feutrée. Entre Jésus et Judas, comme si Jésus ne voulait pas faire de tort à Judas. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe. La lucidité de Jésus face à sa mort va jusque-là. C'est lui qui dirige les opérations, c'est lui qui décide de l'heure. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, nous dira le Seigneur. Voici mon corps livré pour vous. Il a donné sa vie pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Mais parfois, nous avons des Judas partout dans notre vie. Des Judas dans nos familles, fils et filles du bon Dieu. Les Judas dans nos services. Là où tu travailles, il y a un Judas qui est là, fils et filles du bon Dieu. Là où tu marches, il y a un Judas qui est là, fils et filles du bon Dieu. Là où tu t'assois auprès de tes amis, il y a un Judas qui est là. Là où tu es auprès de ta famille, il y a un Judas qui est là. Soyons prudents, fils et filles du bon Dieu. Oui. Lorsqu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Il le glorifiera. Parole étonnante
Anticipation encore comme hier, la gloire est déjà là. La gloire de Dieu, la gloire qui relève chacun de nous. Oui, tu y es prêt à donner ta vie pour moi, dira le Seigneur à Pierre. Je te le dis, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Oui, fils et filles du bon Dieu, pauvre Pierre, il se croyait pourtant bien généreux et il l'était à sa manière. Jésus lui annonce sa propre trahison. Oui, nous également dans notre vie, on trahit le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. On renie le Seigneur, fils et filles du bon Dieu, par rapport à notre manière d'être, notre attitude, fils et filles du bon Dieu. Oui, quelques minutes après cela, celle de Judas. Alors le silence soudain a dû devenir très lourd dans le groupe, fils et filles du bon Dieu. Renier le Seigneur. Le Seigneur est parti jusqu'au bout, le don total de sa vie, fils et filles du bon Dieu, pour toi et moi. Essayons de méditer en cette journée, ce don du Seigneur, il se donne en chacun de nous. Il s'est livré pour toi, par amour, pour moi, par amour, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous. N'oublions pas pour cette semaine sainte, Kipe, Yayo et Tokos à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.